et surtout, maîtrise ta colère. Ne cède pas à la provocation. Évite les disputes. Ne sois pas susceptible. Ne cherche pas la polémique. Abandonne d'ailleurs la polémique et surtout éloigne-toi de la grossièreté. Rien ne pèse plus lourd dans la balance du croyant le jour de la résurrection que sa bonne moralité et son bon caractère. Je suis pas en train de dire par là, fais-toi insulter, fais-toi critiquer et ne fais rien. Il y a des procédures quand tu es dans une société. Remonte ce qui ne va pas à tes supérieurs, mais fais attention à ne pas répondre au mal par le mal. Ne te rabaisse pas à avoir un mauvais comportement. Ne te rabaisse pas aux polémiques stériles, aux débats fatigants, aux critiques qui fusent à tout va. N'oublie pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que rien ne pèse plus lourd dans la balance du croyant le jour de la résurrection que sa bonne moralité, son bon caractère. Et Allah déteste en effet tout grossier au parler impudique rapporté par Tirmidhi. Allah, il déteste la personne grossière. Ne sois pas de cela.